Arthur aime beaucoup les œuvres d'art. Il a repéré un tableau avec des couleurs éclatantes qui semblent avoir coulé sur la toile. Et aussi un autre très connu, où des boîtes de conserve sont alignées à l'infini. Problème, il a bien du mal à mettre des noms sur ses styles, et donc beaucoup de mal à les retrouver sur des sites d'achat d'art en ligne. Arthur, voici un lexique bref, mais très utile, des différents styles dans l'art. Le tableau aux couleurs magnifiques, c'est de l'abstraction. C'est-à-dire que ça ne représente pas quelque chose de précis. On dira même abstraction lyrique, car c'est de l'ordre de l'énergie. Mais si une toile abstraite présente des formes géométriques, on parlera alors d'abstraction géométrique. À l'opposé, l'art figuratif représente du concret, parfois aussi réaliste qu'une photo. Là, c'est de l'hyper-réalisme. Quand l'interprétation est plus libre et que les couleurs semblent vibrer, c'est de l'impressionnisme. Et quand ces formes semblent tout droit sorties des rêves, c'est le surréalisme. Les conserves alignées, le pop art. Un intérêt des artistes pour les images issues de la culture populaire et de la publicité. Ils veulent dénoncer la société de consommation et rendre l'art accessible. Autre style accessible à tous, celui réalisé dans la rue, le street art, pochoir, bombe aérosol. Beaucoup ont d'ailleurs aujourd'hui fait leur chemin jusque dans les musées. Sinon, il y a aussi la calligraphie, les arts premiers, l'art naïf, l'art brut, le cubisme, et j'en passe. Et voilà Arthur, tu as un beau terrain d'exploration pour acheter ta première œuvre et filtrer par style en toute connaissance.